Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je suis en direct depuis la chaîne YouTube Adobe France. Et nous sommes en live pour une petite heure, un petit peu plus, accompagné aujourd'hui de Sacré Frangine. Sacré Frangine, c'est un duo d'illustratrices qui va se présenter quand je vais les remettre en ligne, comme ça vous pourrez voir un petit peu. D'abord, la petite présentation autour de la chaîne pour que vous sachiez ce qui s'y passe. Hop. Je vais vous partager mon écran. Est-ce qu'il y a des nouveaux, est-ce qu'il y a des anciens ici? C'est-à-dire, quand je dis nouveaux, c'est des gens qui ne sont jamais venus sur la chaîne avec nous pour l'instant, et les anciens, c'est ceux qui ont fait au moins une ou deux séances. Hop, celui-ci. Check. Mettre le chat. Ok. Le son est au top, me dit Alex. J'espère que ça va durer. Je vous avoue que ça, j'espère que ça va durer. Je sais pas si... Je ne sais pas encore. C'est une petite surprise. On fait une session très étrange. Donc, je vous partage deux secondes mon écran, juste pour qu'on comprenne ce qui s'y passe. Voilà, bienvenue chez moi. Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France. Ouais, tiens, qui a disparu. C'est pas très grave. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore et qui nous suivent pour la toute première fois, sur la chaîne YouTube Adobe France, vous allez retrouver donc nos sessions en direct qui vous permettent d'avoir des infos un peu sur les softs. Mais en ce moment, et depuis le début de la semaine dernière, nous avons proposé en fait des séries qui sont quotidiennes, qui ont lieu tous les jours à 14h et qu'on appelle en direct du canapé. Donc quand vous aurez fini cette session, vous allez manger un bout, vous revenez et on reprend à 14h. Toutes les sessions que nous donnons sont des sessions qui sont diffusées en live et qui seront disponibles tout de suite en replay. Donc ça c'est plutôt pour les gens qui sont pas encore venus. Je vois que Daniel est un habitué de chez Habitué, mais ça je le savais déjà. Je vois qu'Alexandre est là. Bonjour Aimé, bonjour Wilfried, Laurent, Aurélie, et Romain, Ophélie, bienvenue. Merci d'avoir bravé l'heure matinale pour nous. Ok, donc nouveau, mais vous connaissez depuis longtemps, nouveau, vous regardez depuis longtemps. Bien, je vais connecter Célia et Aline de Sacré Frangine. Donc quand vous chercherez plus tard Sacré Frangine, moi je les connais surtout via leur Instagram, sur lequel on peut retrouver leur boulot, et on va en parler ensemble, parce que c'est quand même pour ça, c'est quand même tout l'intérêt de nos sessions, c'est de regarder un petit peu ce genre de choses, tous les trois. Je vous remets un petit peu de son, Célia, Aline, je sais pas, une, deux, et je vous remets en personne. Oui, je vous entends? Ouais, je vous entends. Bonjour. Toutes les deux. Hello. Alors, est-ce que les gens du chat nous voient toujours? Est-ce que c'est bon pour vous? Je vérifie, hein, parce que on a toujours nos 30 secondes de décalage entre ce que moi je vais dire aux gens et ce que les utilisateurs vont voir. Est-ce que vous pouvez vous présenter l'une et l'autre, l'une puis l'autre? Je vous laisse décider. Bah, je t'en prie, Aline. Bien joué. Okay. Bah, donc, c'est Célia et Aline du duo Sacré Frangine. On est illustratrice aujourd'hui, anciennement directrice artistique, enfin anciennement... On a quitté notre job il n'y a pas très très longtemps, donc je ne sais pas si on peut vraiment dire anciennement, mais aujourd'hui en tout cas, on se consacre essentiellement à l'illustration. D'accord. Voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, j'avais lu dans un article un petit peu plus loin que vous étiez genre amis d'enfance, et que vous connaissiez depuis super longtemps, c'est oui. Vrai ça? Ou c'est pas de la légende? Oui, alors, ouais. On se connaît depuis qu'on est toute petite, on se connaît depuis qu'on a 7 ans. Ah ouais, quand même. Et on n'était pas voisines, enfin presque, hein. On habitait à 5 minutes à pied chacune. Mmh. Et donc on a fait, depuis la primaire en fait, on était à l'école ensemble, le collège, au lycée on a été séparés. On s'est retrouvés ensuite, juste après le lycée, pour nos études post-bac. D'accord. On a fait notre école toutes les deux, ensemble. D'accord. À toi. Super. Voilà. Super, super. C'est parfait, nous dit Alex. Très bien. Nickel. Ouais, non, mais j'essaye de vérifier qu'en termes d'audio, on s'en sort pas trop mal aujourd'hui. C'est pas forcément simple tous les jours. Vous en savez quelque chose, puisque pour les gens qui nous suivent, ça fait une heure qu'on essaye de régler le son pour être sûr que vous entendiez à peu près correctement. Et les frangines le savent aussi. Du coup, Sacré Frangine, le nom est complètement venu de cette proximité que vous aviez depuis des siècles, je suppose.
Par contre, je t'entends avec pas mal d'écho, moi. Je vais essayer de gérer avec ça, mais... Attends, tu m'entends, moi, avec beaucoup d'écho? Alors, pareil, je t'avoue que c'est pareil de mon côté aussi, Franck, je t'entends avec pas mal d'écho. Mince. C'est dommage, on était plutôt pas mal. Hein. Mais bon, on t'entend, hein, mais on va peut-être être un peu en décalé, quoi. D'accord. Ouais. Alors, tant que c'est que moi que vous entendez avec de l'écho, on va supposer que c'est suffisant. Et que on va supposer que c'est pas si grave. Si c'était vous que vous entendiez avec écho, ce serait absolument affreux. Mais si c'est que moi, ça veut dire que c'est moins grave que prévu. Ouais, on pourra faire comme ça. Ouais. Donc oui, à la base, le frangine, c'était oui, parce que on se connaît depuis qu'on est toute petite. Et le sacré, c'était une petite blague qu'on avait entre nous pendant nos études ou autre. Sacré pour tout, n'importe quoi. L'expression sacrément. Mmh. Donc ça vient de là. C'est un peu pour renforcer le mot, quoi. C'est l'expression sacrément fort, sacrément plein de choses, mais c'est, ouais, ça vient de cette expression-là, quoi. J'aime bien le « autre chose ». On sent que vous avez déjà répété ce texte et que tu sais que tu ne dois pas le dire quand c'est enregistré. C'est bien. C'est ça. C'est sacrément bon. Par exemple, Aline qui fait un plat de pâtes, ah, c'est sacrément bon. D'accord. Voilà. Ouais, là, comme ça, je veux bien l'entendre. Et ça passe bien. Attention, hein. Hier, on a eu un petit peu des surprises sur les recherches Instagram. Donc, je fais plus de recherches au hasard sur Instagram. C'est pas une bonne chose. Promis. Du coup, si je veux retrouver votre carrière ensemble, c'est tout ce qui est présent sur l'Insta commun dont Alex nous a filé le lien. Ouais, c'est vrai que notre principale vitrine, c'est Instagram. C'est le premier média où on a commencé à partager nos créations. Donc en fait, on est beaucoup resté là-dessus. Donc la plupart des créations sont dessus. D'accord. Alors, après, il y a certains projets qu'on n'a pas encore partagés, mais quand on fait quelque chose, on partage dessus principalement. Ok, alors attends, je vais partager l'écran, comme ça on va voir un petit peu ce qui s'y passe. Check, et je vais partager mon écran, tout va bien. Je te préviendrai, Célia, je t'ai vu trembler. D'accord. Au moment où j'ai dit je vais partager. Exactement. On avait dit qu'on ne le ferait pas, oui, tout va bien. Donc voilà, là j'ai scrollé pour avoir plein d'images de Sacré Frangine. Donc là, ça fait, j'ai pas regardé la date de la plus ancienne, en tout cas qui apparaît chez moi. C'est quand exactement ça? Vous savez, vous, de tête? Je pense que ça doit être 2018, c'est les D'accord. tout premiers. C'est vrai qu'on voit quand on descend, c'est marrant de voir, c'était vachement plus minimaliste et... mais ouais, ça doit être 2018, il me semble. On avait, alors, il y a certaines publiques qui sont archivées. Ouais. Ouais, bien mais, sûr. Ça devait être 2018, les premières qu'on a commencé à poster. Après, on avait quelques illustrations plus anciennes. Quand on était à l'école, en fait, les toutes premières qu'on avait publiées, c'était un peu des projets fictifs. D'accord. Des projets. Il y avait d'illustrations. Ouais. Mais là, on a dû faire un peu le tri, mais en tout cas, c'était en 2018, ouais. D'accord. Très bien. Mais le compte est plus ancien. Il date d'avant. Je vois qu'il y a des questions dans le live. Une question de Nathalie qui me dit « Je tombe sur vous par hasard. Qu'est-ce que vous proposez ? Le titre n'est pas évocateur. » Le titre n'est pas évocateur. En plus, je suis même pas sûr d'avoir copié-collé la description que je comptais mettre un jour. Le un jour n'a jamais eu lieu. J'ai juste dû poser l'URL de Sacré Frangine. Donc on est sur la chaîne YouTube, on fait des sessions donc soit sur les logiciels, soit avec des artistes en mode inspiration, comprendre un petit peu d'où viennent les gens, ce qu'ils ont fait, pourquoi ils sont là et comment ils travaillent ensemble. Donc ensemble pour justement pour notre duo du moment. Quand on parcourt donc cet Insta, on se rend compte que le visuel a beaucoup. T'entends très mal. Très mal. Je ouais. Pareil de mon côté. Comment ça se fait que ça a chuté? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça aurait chuté? Salut. T'entends pas.
veux le stylet? Et tu l'as. Vous m'entendez pas, ça c'est dommage. C'est... Alors, on t'entend, mais très très mal. Ok. Est-ce que le public m'entend toujours, Alex? J'ai une question de... Alors, pendant que vous m'entendez pas très bien, j'ai une question de Louise qui dit, vous avez dit Tours, est-ce que vous avez fait Brassard? Vous étiez où à Tours? Exactement. Ah, bah peut-être que vous connaissez Louise. On a fait l'école Brassard. Ah, bah tu vois. On a Justine qui est présente et qui nous dit, j'adore votre illustration, je vous suis depuis déjà un moment, ça fait plaisir de mettre des visages sur votre travail. Ça, ça a été... Merci beaucoup. C'était réclamé de pouvoir mettre des visages sur le travail des gens. Du coup, ce que je vois, moi, dans les illus, quand on parcourt, mais genre en mode hyper speed, le flux, c'est que vous avez démarré avec pas mal de couleurs, et puis on est venu assez vite sur des tons cyènes, ocre, sur des tons naturels. Ouais. Comment, pourquoi, dans quel ordre Qu'est-ce qui vous a amené à ça, en fait? Je ne saurais pas dire ce qui nous a amené à ça. Je pense qu'au début, on avait peut-être plus une vision plus graphique, beaucoup moins organique qu'aujourd'hui. Les thèmes n'étaient pas les mêmes. Je ne sais pas si on m'entend. Les thèmes n'étaient pas les mêmes et donc on était plus sur voilà sur jouer sur des duos de couleurs ou des trios ou des couleurs qui matchent un petit peu ensemble. Et maintenant, je pense que les couleurs sont plus en accord avec les sujets en fait. D'accord. Alors on me dit, je crois que il y a beaucoup plus de peau, de chair, de teintes naturelles et c'est ce qu'on traite un peu plus aujourd'hui, c'est de l'humain plus que des natures mortes ou des fruits ou ce genre de choses. D'accord. Alors, je crois qu'on a... Même si on en fait toujours assez beaucoup. Hein. Ouais, on a perdu Aline au passage, j'espère qu'on va la retrouver. Je crois. Je vois qu'on la retrouve, c'est bien. On va la laisser régler sa webcam, hop, et on va la réintégrer. Ah, ça y est. Ouais, tu es revenu. Daniel nous confirme que le son est bien. Je pense que c'est ma connexion qui est très mauvaise. Eh ben oui, parce que pour le coup, on est tous plus ou moins chez nous pour l'instant, et toi, on voit qu'il y a des arbres derrière. On va pouvoir parler de du travail à distance, je pense. Ouais. Oui, carrément. Pour les gens qui te suivent, enfin qui vous suivent déjà au niveau du boulot, je pense que vous avez dû voir peut-être dans les stories, en fait. Aline est loin, loin, loin de France, là, pour le coup. T'as quitté les lieux. Elle nous a laissé. Je peux répondre pour elle, sinon. Ouais, vas-y, vas-y. Aline a entrepris un voyage en Asie, Asie du Sud-Est, beaucoup, ouais. Avec une amie. Elle est partie au mois de février. D'accord. C'est un voyage qui n'avait pas trop de date retour, si ce n'est voilà, 3 mois environ. Mmh. Et avec du coup la situation actuelle, elle s'est retrouvée plus ou moins bloquée à Bali et elle vit pour l'instant son confinement à Bali. Très bien. Donc pendant que nous, on est tranquillement à Paris dans nos appartements sans balcon, elle est à Paris avec des oiseaux qui chantent derrière. C'est très énervant. Tout à fait. Alors ici, la connexion a décidé d'être pénible. Du coup, je pourrais pas tout montrer. Tiens, vas-y, on t'entend à nouveau, Alina. Vas-y. Ah, super. Je vous entends aussi. Oui, je vais faire un petit trip en Asie qui s'est finalement écourté. En fait, j'ai décidé de retourner à Bali parce que je suis partie en février. Ouais. Et tous les pays commençaient à fermer leurs frontières. Je devais partir au Vietnam, au Laos. Finalement, je suis rentrée, retournée à Bali après le Cambodge. Mmh. C'est le moment où ça commençait à être un peu compliqué en France. D'accord. Donc, au début, je voulais rester un petit peu ici et rentrer après. Et finalement, c'est vrai que j'ai pas trop essayé de rentrer. J'ai vu que c'était compliqué pour certains, que beaucoup de vols étaient annulés, qu'il y avait énormément de gens sur liste d'attente pour les rapatriements. Oui, bien sûr. Ouais, et du coup quand tu as organisé, enfin quand tu t'es retrouvé là-bas, vous continuiez toutes les deux de poster des illustrations d'un côté ou de l'autre, c'est ça?
Ouais, c'est plutôt ça. Aline est plus active que moi sur les illustrations et j'avoue que actuellement c'est beaucoup plus Aline qui va poster que moi en ce qui concerne les illustrations, sachant qu'aussi il y a un détail, c'est que Aline travaille beaucoup à la tablette. D'accord. Et moi moins, voire très peu. Et du coup, elle a un débit qui est beaucoup plus rapide et qui est génial. Donc, ça permet de bien alimenter le compte et de créer du contenu assez souvent. Et c'est vraiment pas mal. Et du coup, de participer, de profiter de l'audience. Ça, c'est chouette. Tu me tends une perche monumentale en disant que qu'Aline travaille beaucoup à la tablette, puisque j'attendais que et ça. Oui. Donc on s'est dit qu'on allait éviter les galères de connexion avec les uns les autres et du coup tu m'as envoyé plusieurs illustrations, des timelapses de lignes, des timelapses d'esquisses, de coloriage, un timelapse d'illustration complète et un cinquième dont j'ai plus le nom ici, que je vais pouvoir retrouver. Par lequel je commencerai d'après toi, Aline? C'est là. Aline est free. Alors, je sais pas. À mon avis, il doit y avoir tellement de monde autour d'elle qui essaye de manger sa connexion Wi-Fi. Ouais, je pense que ça doit être ça. Peux te dire, si tu veux, je les ai aussi. Ouais. Tu peux peut-être commencer. Alors, on a plusieurs croquis, on va peut-être garder le meilleur pour la fin. Je pense que tu peux commencer avec les timelapses de... Il y en a un qui s'appelle Ligne, d'accord, je crois. Il y a Ligne et Esquisse. Exactement. Esquisse, c'est une main. Alors, j'ai pas le nom. J'avoue qu'il n'y a pas de. Tu peux commencer par Ligne, ouais. Ok. On va démarrer par Ligne parce que ça va permettre de répondre à un moment parisien qui nous dit mais quelle est votre technique ? Check. Voilà. Donc, on démarre par Ligne. Ça, c'est un timelapse que vous avez mis en place donc à partir de Fresco. Parce que pour le coup, est-ce que je suis en train de faire en ce moment beaucoup sur la chaîne YouTube, c'est justement d'essayer de faire découvrir l'application Fresco à des illustrateurs, à des artistes, et de leur dire, bah tiens, si vous étiez que sur tablette, est-ce que vous arriveriez à bosser? Est-ce que tu nous en parles un petit peu, Célia, de ce que comment ça s'est passé, ça? Est-ce que je peux juste te demander, s'il te plaît, de redire la question parce que j'ai eu du mal à comprendre avec l'écho. Ça s'est passé, justement, ce dessin sur Fresco? Là, pour le coup, c'est complètement Aline qui a proposé. Exactement. Ça. Ouais. Alors, je crois que son retour d'expérience sur Fresco se passe très, très bien. Et elle part en général pour tous nos esquisses, hein, que ça soit à la main ou sur la tablette, ça part d'une photo. Alors des fois que nous-mêmes on peut avoir prise, ouais. Je sais pas si ça se dit, oui. Ou une photographie. On s'inspire beaucoup de Pinterest aussi, de magazines. Donc des fois c'est une attitude qui va nous inspirer, un paysage, une composition de fruits ou une nature morte, ce genre de choses. D'accord. Et ensuite on part directement au croquis sur Fresco. De là ensuite on en décide de le laisser au stade de croquis ou alors de le pousser et d'en faire une illustration. En rajoutant des masses de couleurs au fur et à mesure. D'accord. Alors sur cette non mais t'as été très bien là. Parfait. D'accord. Pendant ce temps-là, le timelapse s'est arrêté, mais ça c'est normal. Il n'allait pas durer deux jours non plus. Hop, attends, je fais juste un petit peu de recadrage. Je vais nous mettre une fausse Aline en image en attendant de récupérer le son. Check. Comme ça. D'accord. Ouais. On essaye d'organiser, de compenser les absences momentanées dues à la connexion. On avait prévu ça. Ouais, on avait tenté de prévoir. Donc là, c'était le timelapse ligne qui nous a permis de comprendre un petit peu le début de l'illus. Est-ce que tu me confirmes que si on part sur la suite, on va où? Plutôt coloriage, plutôt esquisse, hein, du coup. On peut aller sur esquisse? Ouais, on peut. Check. Donc là, deuxième esquisse, un petit peu de boulot dessus. Exactement.
Alors, et pendant que ça dessine, enfin pendant quand je dis ça dessine, c'est pas pendant que la main d'Aline dessine, je continue de reprendre un petit peu les questions qui étaient là et que j'ai pas forcément vu passer vu que j'essaye de gérer la D'accord. connexion. Donc il y a une question de Justine. Non, Justine nous dit qu'elle adore votre boulot, ça c'est bon. Il y a une question Merci de beaucoup. Christian. Christian nous dit, est-ce que de quoi vous vous inspirez pour pouvoir effectuer vos illustrations? De quoi on s'inspire? Bah, c'est ce que j'ai dit du coup de photos qu'on trouve sur. Alors, Pinterest, c'est une grande source d'inspiration, donc c'est quand même pas mal. Pinterest, des magazines, des photos que nous, on peut avoir prises. Souvent, c'est des poses parce qu'on dessine beaucoup de femmes. Donc, c'est en fait des poses de magazines qu'on réinterprète, des photographies de photographes qu'on apprécie. Et après, quand c'est des petites compos de fruits, ce genre de choses, des fois, ça peut même avoir, enfin, ça peut même être ce qu'on a chez nous. Je sais pas, je regarde la corbeille du fruit par exemple, je sais pas, je peux me dire que je peux me laisser inspirer par le citron le citron à côté de. Tu me confirmes que t'es pas souvent inspiré par le citron? C'est pas. Et bah figure-toi que J'ai fait je beaucoup suis de très citron. inspirée par le citron. Non mais ceci dit, dans les tout premiers, je crois que le visuel le plus ancien de l'Insta, c'était un citron. Hein. Oui, c'était une paire de citrons. Exactement, c'était un Voilà. citron et c'est. Beaucoup, on aime beaucoup aussi les abricots. C'est bizarre à dire. On aime beaucoup les abricots parce que je pense que c'est beaucoup par la couleur aussi. C'est des couleurs qui nous correspondent et ça a un côté doux qu'on, je sais pas, c'est une espèce de philosophie qu'on aime bien revendiquer entre guillemets. D'accord. Et on peut être inspiré par les abricots. D'accord, très bien. Donc, C'est non, mais c'est important de pouvoir le dire, de pouvoir de savoir que c'est une chose qui arrive. C'est une chose normale. ok. Je continue donc avec les petites questions. Tata-tata. Cyrine nous demande, donc elle adore votre travail, comme beaucoup, est-ce que vous pouvez nous parler de votre matériel pour créer? Notre matériel pour créer, donc je l'ai dit, c'était la tablette Tablette pour... beaucoup. Exactement, la tablette, ensuite on peut retravailler le croquis derrière sur des logiciels directement sur. Ça c'est la partie digitale en fait, hein. Ouais, bien sûr. On retravaille après les croquis sur l'ordinateur. Donc avec des outils comme Photoshop ou Illustrator, ce genre de choses. Et quand il s'agit de faire du dessin tradit entre guillemets, ce qu'on affectionne beaucoup, mais en fait, on prend plus trop le temps de le faire et c'est dommage. On aimerait bien prendre plus le temps de le faire. On est beaucoup au pastel, sec ou gras, on aime bien. Je sais qu'on travaille beaucoup avec des petits stylos des fois pour faire des croquis type là, donc des stylos de feutre en fait, hein, tout simple, avec une mine pas trop fine ni trop épaisse. On a tendance maintenant à plus en plus s'exploiter et le confinement du coup aide pour ça à tenter des expériences. Là, on veut plus se concentrer sur peut-être des huiles et faire des pièces uniques plutôt que des illustrations avec même si ça reste un tirage limité, peut se concentrer plus sur les pièces uniques. Alors donc justement, ouais, je dirais ouais. Vas-y, pardon. ouais voilà donc je voulais résumer du coup je pense que c'est papier un crayon de bois donc classique, des feutres à mine moyenne et des pastels. Et là, de plus en plus, on tend vers de l'huile. D'accord. Ok. Voilà, la peinture à l'huile. Ouais, très bien. Il y a une question du coup de Manon qui rebondit sur ça. Comment se passe le transfert sur l'ordinateur? Alors, le transfert sur l'ordinateur, pour l'instant, c'est un peu précaire, entre guillemets. C'est-à-dire que quand je parle juste de l'étape croquis manuel, tradit, à ordi. C'est-à-dire que ça peut se passer, on a des téléphones qui ont une assez bonne qualité photo. Donc pour l'instant, ça nous suffit. C'est-à-dire que quand je vais faire un croquis au feutre, au trait, je prends une photo que ensuite je m'envoie sur mon ordinateur. Et de là, je le retrace à la plume sur Illustrator. Après, quand on est sur la tablette et qu'on va faire
un travail entre Fresco et Photoshop, par exemple, ouais. c'est déjà relié, en fait. L'avantage avec Fresco, c'est qu'il y a plein, enfin, on a tous les calques qui sont conservés. Et je finis avec un fichier Photoshop et que ouais. j'ouvre directement sur Photoshop sur mon ordi. D'accord. Bon, ben voilà, je pense que ça répond aussi à Moment Parisien, donc ça c'est parfait. On descend un petit peu. Il y a Chloé, une ancienne collègue qui visiblement te connaît, qui est venue nous voir, Chloé Durand, et qui trouve que crier Aline pour qu'elle revienne, c'est un peu facile. Je confirme. Je suis en train de faire revenir Aline tout doucement. Je vous promets pas qu'on y arrive tout de suite, mais peut-être. On va voir. Elle me demande si elle a besoin de faire quelque chose en particulier, Franck, pour essayer de revenir dans la conversation. Non, c'est juste qu'il faut que je regarde la bonne fenêtre qui est de l'autre côté. Qui est de l'autre côté. Alors du coup, ouais, vu qu'on a fait un petit peu les questions matos, je vais remonter sur votre sur mon écran, sur votre page. Hop, bougez pas. Quand on est là-haut, il y a du coup votre page Etsy. Ça, c'est la manière en fait dont vous vendez en fait tout ce que vous fabriquez depuis quelques temps, c'est ça? Oui, d'ailleurs, elle s'est pas chargée. Exactement. On vend via Etsy, qui est une très bonne plateforme. En fait, c'est assez bien fait. On a commencé là-dessus. Et pour l'instant, on n'a pas changé. Moi personnellement aussi, de travailler sur une autre plateforme de vente, avoir notre propre plateforme. D'accord. Qui serait gérée par nous. Mais Etsy, c'est vachement bien fait, en fait. Pour l'envoi, pour la SAV entre guillemets aussi, pour avoir le retour des clients, c'est une bonne vitrine. Bien sûr. Et franchement, jusqu'à présent, on en est très satisfaite. On en est toujours, hein. C'est juste que je pense qu'il faudrait peut-être passer maintenant un step au-dessus et avoir notre propre. C'est se dire que vous avez votre. Vous gérez intégralement le business. Exactement. Est-ce que à côté de l'illustration, vous avez encore des boulots en agence? Est-ce que vous avez encore des boulots un peu ce que vous faisiez avant au quotidien en pro? Pas du tout. Donc plus que l'illustration maintenant depuis 2 ans. Ouais, voilà, on n'a plus que l'illustration. On a toutes les deux. Alors Aline a quitté son travail fin septembre, je crois. D'accord. Et moi, c'était un mois après, fin octobre ou début novembre, quelque chose comme ça. Donc, c'est assez récent. Ouais. On est à 100% sur l'illustration et il nous arrive de faire des petits boulots, entre guillemets, de freelance à côté, de façon ponctuelle. Et voilà, après, moi, j'ai une autre, entre guillemets, activité qui n'a absolument rien à voir avec l'illustration. On est à 100% dessus. On n'a plus trop de boulot d'agence. D'accord. Alors, je crois que je suis en train de. Je pense qu'en fait, on pourra plus le permettre parce que. En termes de temps. En termes de temps, ouais. Parce qu'en agence, on a quand même, je pense, travaillé en agence presque un an en étant sur Sacré Frangine et en agence. Au début, ça allait, mais en fait. On a eu du succès, donc tant mieux. Hein. Carrément. Mais du coup, c'était double journée en fait, un peu. C'était journée en agence, envoyer les colis le midi, envoyons tous les prints, récupérer les impressions chez l'imprimeur. Et le soir, pareil, faire pas mal d'illustrations. Et après, on a eu de plus en plus de commandes de professionnels, entre guillemets, donc travailler pour des entreprises. D'accord. Et là, c'était, ça commençait à être trop compliqué au niveau de temps à gérer. On n'arrivait pas à se dégager du temps. C'est marrant parce que c'est pas la première fois que j'entends cette semaine toute la partie logistique en fait de transport, même si ça a été mis en pause là depuis quelques semaines. C'est un truc qui est, j'ai l'impression, à peu près aussi sous-estimé par les indépendants. Que la partie légale et administrative au départ. Est-ce que je me trompe? Alors, je vois qu'Aline est en train de revenir. Aline, est-ce que tu peux parler juste au cas où on t'entendrait? Parce que je sais qu'il y a je vois ton écran noir, et je sais pas du coup s'il y a du son chez toi. Et je sais par contre que tu m'entends sur le WhatsApp. Ah non, trop tard.
Non, si, elle revient. C'est parce elle est de retour. Ah oui, voilà. Yeah, on a retrouvé Aline. Ah, voilà. Très bien. Et t'as changé d'appli. Je crois qu'elle est passée sur son téléphone. Ouais, mais alors, on t'entend pas du tout. Si on t'entend pas encore. Est-ce qu'il y a un truc? Parce que tu dois m'entendre via WhatsApp. Et je t'ai pas encore récupéré ici. Hop. Voilà. Donc là, c'est Aline téléphone. Ça va être à Bali, hein. Ouais, c'est pas simple. Hein. Hop. Donc ça, écoute, pour l'instant, je vais garder ton visage comme ça. Et on va essayer de t'avoir, parce que du coup, on t'entend pas du tout encore, pour l'instant. Attends, si, bouge pas. Aline, parle. Ok, ouais. Parle-moi. Tu m'entends? Ah. Oui, je te parle. Là, je... Ah oui. Est-ce que tu m'entends? Il faut que je sois malin, parce que du coup, je t'ai remis dans le chat, mais je t'aurai pas en moniteur. Non, c'est pas grave. D'accord. Donc, très bien, on va essayer, on va croiser les doigts pour que tu dises pas de bêtises en même temps que moi. Ok. Hop, du coup, ça peut revenir. Hop. Du coup, j'entends pas du tout Célia. Alors, je parle pas aussi. Je t'entends pas Célia, je la vois parler. Il faut que tu me guides, en fait. Il y a des sessions qu'on fait en aveugle, celle-ci, elle est faite en sourd. C'est le nouveau thème. On essaye, on y arrive. On t'a pas facilité la tâche aussi, j'avoue. Non, mais c'est pas grave. Écoute, je pense que c'était plutôt cool parce que il y avait une envie justement de pouvoir échanger avec vous. Il y avait une envie de pouvoir retrouver tout ça et de pouvoir partager. Je suppose que tout le monde va être indulgent dans le public. Oui. On a un public bienveillant. Donc tout va bien. Hop. Merci. Merci public. On vous aime beaucoup. On tient grâce à vous. Hop, je remets Aline sur le chat. Ok. Donc comme ça, on te voit à peu près. Si ok. Est-ce qu'on m'entend? Et on voit. Est-ce qu'on m'entend aussi? On voit ton téléphone. Yeah. Ok. Alors. Super. Moi très mal. Je t'entends pas trop Aline, mais c'est pas très grave. J'entends toujours pas Célia. Je sais comment je vais faire pour la récupérer. Alors, il y a Justine qui nous demande, est-ce que vous pourriez parler de votre collaboration avec XU World? Et est-ce que c'est une collaboration limitée ou sur le long terme? Alors, c'est une collaboration sur le long terme. Je sais si c'est la réponse, parce que je ne sais pas qui parle. Non. Qui parle? Bah, pour l'instant, alors, c'est toi, Aline, à l'instant, mais là, visiblement, Célia a décidé de répondre. Ah! Et je t'entends. Ok, je la laisse. Voilà. Parce que j'entends pas du tout, en fait. D'accord. Il faut qu'on règle ça, mais en tout cas, on pourra t'entendre tout à l'heure. Ne bouge plus. Vas-y, c'est à toi, Célia. Ok. Donc, XE Your World, c'est une collaboration qui est permanente, mm-hmm. Du moins pour l'année à venir. Donc, c'est pas une durée limitée pour un mois ou autre. On a été contacté par cette entreprise qui est néerlandaise, qui en fait reproduit des œuvres ou alors même des photos. Ça peut être personnalisable, un peu comme tous ces sites maintenant qu'on a où on envoie nos photos et on reçoit des Polaroids, entre guillemets. Mm-hmm. Là, on peut envoyer nos photos ou alors choisir dans leur collection des œuvres d'artistes. D'accord. Et les imprimer ou les avoir en fait au format qu'on désire. D'accord. Donc, on peut avoir des grands formats. Et en fait, c'est assez pratique parce que nous, pour l'instant, on ne s'est pas trop penché sur les grands formats. Et c'est surtout pour des soucis logistiques. Ouais. Parce que comme c'est nous qui envoyons encore tous nos prints, donc on a pour l'instant que deux formats qui sont le A4 ou le 30-40. Mmh. Et donc, ça rentre dans une enveloppe. Ouais. Et en fait, dès qu'on est sur des formats un peu plus grands, on doit les rouler et prévoir un tube à envoyer. Ouais, avec la fragilité que ça impose. Hein. Exactement. Déjà que avec les enveloppes, c'est franchement une galère sans nom, mm-hmm. parce qu'entre les courriers qui sont pliés, rentrés dans la boîte aux lettres, au forceps, pour au forcing, que ça... ouais. Voilà, c'est terrible. Donc voilà, pour l'instant, on n'est pas rentré dans cette on n'a pas trouvé la solution, on s'est pas trop penché là-dessus. Mmh. Et donc là, ça nous permet de pouvoir avoir une partie de nos œuvres
pas toutes hein, bien sûr, mais une partie en grand format. D'accord. Et en fait, c'est livré, c'est des petits carreaux qui doivent faire, je ne peux pas dire de bêtises, je ne m'en souviens pas trop, mais environ 10 à 15 cm. Ouais. Et qu'on assemble avec un système qui est assez bien fait. On assemble ça soi-même et voilà. Et ça nous permet d'avoir des très grands formats et des formats sur mesure. Ouais, ouais, bien c'est-à-dire sûr. Que on choisit. Tu choisis le nombre de carreaux, t'es pas indépendant, enfin t'es pas dépendant de la taille de l'illus, quoi. C'est ça. Ouais, c'est chouette. Alors du coup, pour ce genre de création, est-ce que vous avez dû rebooster la taille des images? Est-ce que vous aviez déjà de toute façon anticipé l'idée de pouvoir éventuellement un jour faire des grands formats sur les contenus? Alors c'est une très très bonne chose parce que une très bonne question parce que je t'avoue qu'on l'avait pas anticipé forcément. Mm-hmm. On fait nos illustrations toujours au plus grand format entre guillemets pour un 30-40 dans le cas où on le réédite. Dans le cas où par exemple une illustration qu'on a éditée en A4 est à rééditer en 30-40. Ouais. Et en fait on leur a envoyé donc du coup nos fichiers pour voir si c'était possible. Ouais. Et en fait on a fait un test et c'est revenu super bien. Mmh. On est assez étonnés nous-mêmes aussi de voir à quel point c'était pas pixelisé quoi. D'accord. Ouais, donc, ouais. Après je pense que il y a un côté aussi on a un peu indulgent, c'est plus l'œuvre est grande et plus on la voit avec du recul. Bah c'est plus que de l'indulgence, c'est de la géométrie à la fin. Exactement. C'est-à-dire que quand t'as le nez sur ton téléphone, t'as intérêt d'avoir un écran hyper précis. Quand t'es déjà sur l'écran de l'ordinateur ou sur un vrai sur un print qui fait un format A4, A3, bon, tu peux être un peu plus loin, mais quand tu commences à avoir le mur, c'est rare que tu sois collé dessus. Et bah oui, et tant mieux d'ailleurs. Mais ouais, même en s'y approchant de très même le nez dessus, c'était notre plus grande crainte. Ouais. Et on nous a envoyé des tests et on était genre vraiment ravis de voir à quel point c'était il y avait un bon rendu. Très bien. Très bien, très bien. Sans l'avoir anticipé en fait. Ouais. C'est surtout ça la chance, c'est de se dire que la technique de départ avec les aplats, le bruit dessus, etc. a suffi justement à mettre tout ça en place. Très bien, ça c'est cool. Question de Chloé Moret qui nous dit « Vive Sacré Frangine, illustration canon avec des couleurs que j'adore. À quand une collection Marseille ?» Ah Ouais, vas-y Aline, on t'écoute. Non, c'est vrai qu'on aimerait prendre plus le temps de travailler des gros projets en fait, avec plusieurs illustrations, faire vraiment... Une collection, pour l'instant, c'est vraiment au vif, en fait. On fait un peu en fonction de nos envies, mais on aimerait prendre le temps de faire des collections sur un thème vraiment... et pourquoi pas Marseille ou pourquoi pas des villes, effectivement, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, on note. Bien, ouais. Mais en fait, c'est vrai qu'on a envie de faire plein de choses et souvent, on n'a pas énormément de temps. On fait aussi pas mal de commandes clients, juste c'est pas trop ce que vous vous êtes dit pendant que j'étais pas là et j'entends pas Célia, mais on aimerait en tout cas là ces prochains mois développer vraiment nos produits, nous concentrer aussi sur faire nous-mêmes des collaborations, des choses comme ça. Donc voilà, c'est une bonne idée en tout cas. Voilà, donc si vous retrouvez Marseille ou n'importe quelle ville de France prochainement, vous saurez que ça a germé aujourd'hui, ce jeudi 9 avril. Exactement. ou que, en tout cas, c'était en réflexion. Tout va bien. Et en fait, c'est assez ok. Nous remercions notre public de nous fournir les idées pour la suite. Parfait. Non, mais c'est vrai, en plus, on a bien voyagé, donc Marseille ou peut-être plus loin, peut-être même d'ailleurs une collection Bali, puisque je vais être ici pendant un moment, donc c'est bon pour l'inspiration. Moi, je suis allée une fois à Marseille, donc il faudrait que j'y retourne. Avec Célia qu'on voit ce qu'on peut faire, mais c'est une idée sur le voyage. C'est une ville que j'affectionne beaucoup, j'avoue, et c'était déjà plus ou moins en réflexion de mon côté à la suite de. Célia peut m'appeler ou je sais pas pour que je puisse l'entendre, parce que du coup. Ouais. Je sais pas trop comment gérer ça, Aline, parce que je t'ai d'un côté. Si Célia t'appelle, je sais pas ce que ça va donner. J'ai peur en fait que si Célia t'appelle, après on ait l'écho pour tout le monde. Du coup, je vais essayer de te retransférer. Je vais essayer de faire intermédiaire comme on avait fait tout à l'heure. Mais c'est bizarre en fait que sur rendez-vous, t'es plus du tout le son. C'est très étrange. Ouais. Parce que là, le casque que t'as sur les oreilles, il est sur WhatsApp uniquement? Ou il est sur le rendez-vous? Là, c'est WhatsApp. Ouais, c'est sur WhatsApp que je t'entends.
D'accord. Et si... Parce que si tu n'as plus de son sur rendez-vous, c'est peut-être pour ça. Alors, peut-être que si on raccroche sur WhatsApp, je vais récupérer le son sur rendez-vous. C'est possible. Alors, je raccroche sur WhatsApp. Ne bouge pas. Ok. Et essaye de t'exprimer. Non. Et non. On a tenté. Hein. On a tenté. Alors, puisqu'on a tenté, on va vous remettre un petit peu de fresco pour profiter un petit peu de, du coloriage. Hop, comme ça, on va voir un petit peu de... on va essayer de récupérer Aline tout doucement. Non, Aline, on tape pas du tout. Elle bronze. Elle bronze. Ouais, mais elle a un peu à l'ombre quand même. Hop. Du coup, donc j'ai récupéré Aline sur la conversation. Donc on peut t'entendre via WhatsApp. Tu n'entendras pas Célia et j'essaierai de te dire tout ce qu'elle raconte. Et en attendant sur le direct. Même. Même si je dis des bêtises. Surtout si tu dis des bêtises. Je redirai pas tes bêtises en double. Ce sera encore pire que l'écho. Ok. Alors, très bien. On va s'arranger comme ça. Du coup, là, on est sur ton timelapse, celui que t'as intitulé coloriage, où on te voit justement faire l'esquisse d'abord, reprendre la main, le bouquet de fleurs. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est les... C'est les étapes qu'on fait à chaque fois. En fait, on commence toujours par un croquis préliminaire qui est souvent assez sommaire. C'est vraiment des lignes et qu'on affine ensuite après. Donc là, c'est simplement au trait, mais en règle générale, c'est tout de suite des gros aplats, en fait. Mm-hmm. Donc là, j'ai travaillé une version coloriage, donc forcément, c'est au trait, mais d'habitude, ça reprend en fait tout le process qu'on a. À chaque fois, on commence par un petit croquis et ensuite on affine par masse de couleurs. Ouais. Et voilà, après on ajoute la texture, on affine les couleurs. Voilà, c'est un peu le process à chaque fois. Ouais, c'est très bien. Alors, je vois du coup que sur Fresco, toi, t'as utilisé à la fois les pinceaux pixels et les pinceaux vectoriels dessus, pour pouvoir justement repasser sur Illustrator. Ouais, ce qui est vachement bien sur Fresco, c'est qu'en fait, on a justement ce pinceau vectoriel. Donc l'illustration reste la même. En fait, je peux l'agrandir comme je veux, la réduire. Ça ne va pas altérer la qualité de l'image. Donc ça, c'est hyper bien. Mmh. Et notamment pour le retravailler après, quand on l'exporte sur Photoshop, c'est vachement bien. Et quand on veut par contre travailler en texture, on aplatit tout en pixels. En fait, on aplatit et on ajoute la texture. Carrément. Donc on a souvent deux fichiers en fait pour garder la qualité de l'image. On garde l'illustration vectorielle, donc qui est vraiment en aplat sans texture, et on fait un deuxième fichier où on ajoute la texture. Et voilà, qui est plutôt qui est en pixel pour le coup. Ok. D'accord. Très bien. Ouais. Du coup, là, on est arrivé. Il nous reste 10 secondes. Et c'est le moment où. Check. Voilà. C'est la dernière vue sur les fleurs et on te voit partir dans le partage. Très bien. Bah, écoute, en tout cas, c'était une très bonne idée de faire ces petits timelapses en amont. Ça te permet d'avoir les mains libres pour tenir le téléphone. C'est ça. On s'arrange un peu comme on peut. C'est vrai que sur Fresco, il y a énormément de brushes. C'est hyper intéressant à explorer. Il y a beaucoup beaucoup de textures et c'est vrai que nous on avait commencé avec uniquement des aplats. Nos toutes premières illustrations, elles étaient justement sur Photoshop, Illustrator, et tout cet outil-là, ça nous a permis de rajouter de la texture. Mm-hmm. Donc c'est hyper cool. Il y a pas mal de choses à explorer, je sais pas. Ouais, carrément. Non, c'est plutôt une bonne chose. Tiens, je vois Camille qui est arrivée. Camille qui fait beaucoup de fresco aussi, mais pour le coup, elle le fait toute seule chez elle. On va en reparler prochainement, rassurez-vous. En direct du canapé dans les après-midi. Ophélie nous demande, je connaissais pas Fresco. C'est donc un logiciel qui s'installe sur une tablette graphique ou sur tablette? Alors, je vais répondre à Ophélie parce que c'est la partie technique et pour pas qu'on s'ennuie. Est-ce que je mets plutôt le grand timelapse à l'horizontale ou est-ce que je mets le dernier timelapse à la verticale? Qu'est-ce que vous en pensez? Aline, est-ce que tu te rappelles, il y a deux timelapses à la fin? Ouais, il y en a un très long et il y en a un avec le portrait.
Il y en a un très long. Alors, j'ai dû t'envoyer un timelapse où il y a uniquement un dessin en trait. D'accord. Et un autre où on voit vraiment toutes les étapes avec une femme, avec une afro. Et on voit vraiment toutes les étapes, pour le coup, avec les aplats de couleurs. Et là, c'est vraiment notre process, en fait. On utilise le plus souvent parce que c'est... Ouais. C'est vraiment ce qu'on fait le plus. On fait depuis peu quelques dessins en trait. En fait, on partage plus nos croquis. Mm-hmm. Mais c'est vraiment ce style qu'on fait le plus souvent. D'accord. Bah, écoute, là, j'ai lancé le petit timelapse sur J'ai lancé le petit timelapse sur ça. Ok. Là, c'est l'ajout de la texture. Ouais, c'est ça. Il devait en avoir deux, normalement. Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, on passe en pixel chaque calque et on verrouille la transparence afin de pouvoir ajouter la texture uniquement dans la masse. D'accord. Et cette texture, tu l'as choisie via les pinceaux pixelisés Oui, c'est ça, exactement. On a des petits pinceaux chouchous. En fait, il y a énormément de pinceaux vraiment. En plus, on peut nous-mêmes les modifier, on peut les personnaliser, donc il y a énormément de possibilités. Après, nous, il y en a quelques-uns qu'on utilise plus souvent que d'autres, quoi. Ouais, forcément. Il y a évidemment les images qui sont... il va y avoir une obligation d'habitude, en fait, sur le contenu, sur l'organisation, pour être sûr de pouvoir reproduire, de pouvoir avancer en termes d'illus et continuer l'inspiration. Donc pour revenir sur la question d'Ophélie pendant que ça continue de dessiner là-bas, elle me disait donc c'est un logiciel sur tablette graphique ou sur tablette. Donc là pour l'instant c'est une appli qui tourne principalement donc sur iPad avec stylet. Donc ça va, moi je sais que je suis sur un iPad 6 avec le stylet, donc pas forcément du matériel très haut de gamme. Toi je crois que t'es sur l'iPad Pro, Aline, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Moi je suis sur l'iPad Pro. Avec du coup l'Apple Pencil le 2, le dernier qui est sorti, il me semble. Mais je pense que ça fonctionne sur la plupart des tablettes. Je suis pas sûre de ce que je dis, mais. Si, je te confirme que ça marche, en tout cas sur toutes les plus récentes, ils fonctionnent comme ça. Okay. Et du coup, parce que je sais qu'on a aussi la question, est-ce que ça marche sur des tablettes graphiques classiques type Wacom? C'est en fait pour faire fonctionner Fresco se base sur le moteur tactile de la machine. Donc sur les iPads, c'est prévu pour. Ça fonctionne sur Windows aussi. Si vous êtes sur Windows, sur des tablettes type Microsoft Surface, sur les Cintiq Compagnon de chez Wacom ou autre, vous allez pouvoir utiliser Fresco. Par contre, sur macOS, on n'a pas cette option-là. En fait, on est le tactile est géré par des drivers en plus. Et du coup, pour l'instant, on n'a pas accès à ça. Donc, on verra d'ici quelques années si c'est quelque chose auquel on peut prétendre. Et du coup, je vais peut-être lancer le dernier timelapse, et ça me permettra, à la suite du dernier timelapse, de répondre à la question de Camille. Je ne sais pas qui ne savait pas si elle avait été abordée. Quelle est la méthode pour travailler à quatre mains? Donc, je lance le timelapse, où on va voir du coup, pas quatre mains, mais deux pour le coup. Vu que ce ne sera que les mains d'Aline. Et je pense qu'on fera une migration par la suite sur l'écran de Célia. Donc là, il y a quoi? Il y a 3-4 minutes d'illus. Ouais. En fait, là, c'est la première partie. En fait, donc je les ai mis dans le mauvais sens. Qu'on vient de voir avant. Après, c'est pas très grave, mais c'était la dernière partie qui concernait du coup l'ajout texture. Et là, c'est les croquis qu'on a déjà énoncé avant. Donc le croquis qui est souvent très... très sommaire, c'est vraiment quelques lignes histoire de nous donner une petite idée qu'on affine ensuite avec les aplats. Ouais. Donc c'est ça qu'on va voir sur la vidéo. D'accord. Très bien. Et du coup pour revenir à la pendant que ça tourne, pour revenir à la question donc de Camille, est-ce que vous bossez encore à quatre mains? Est-ce que c'est quelque chose que vous faisiez beaucoup plus au départ et peut-être qui change en fait maintenant? C'est une question pour Célia qui était là et qui s'ennuyait, tu vois. Ça capte pas très très bien. Alors, je vais prendre Célia. Je pense qu'au début, on travaillait beaucoup, je... à quatre mains.
parce que on avait peut-être plus entre guillemets le temps et plus l'occasion. Oui, bien sûr. Et comme on avait un peu moins de sujets, de demandes ou de créa personnalisée ou plus de temps tout simplement, c'est simple et en fait il n'y a pas trop de méthodo. Oui, il n'y a pas une méthodo arrêtée, il n'y a pas un truc sur lequel vous savez exactement dans quel ordre chacune reprend le boulot. Ouais, voilà. Des fois, juste on consulte l'autre personne et l'autre personne donne son avis sur le choix des couleurs ou ah ben moi j'aurais peut-être vu ça. Sinon, des fois, c'est je vais initier peut-être un croquis qu'Aline va reprendre et qu'elle va mettre en couleur ou l'inverse. Mm-hmm. Aline va initier quelque chose, je vais peut-être changer les couleurs ou apporter une touche en plus. Sur le croquis, je pense que maintenant on le fait de moins en moins par manque de temps et peut-être on a plus tendance à se dire maintenant selon les demandes qu'on reçoit, je vais prendre ça et l'autre va prendre ça, mais on continue bien sûr de se partager notre travail et au besoin de rectifier le travail de l'une et de l'autre. D'accord. Et alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de méthode arrêtée. Et on fonctionne comme ça parce que ça fait longtemps qu'on fonctionne ensemble en termes de travail. Et comme on a fait nos études ensemble, etc., on a l'habitude en fait de travailler avec l'autre et ouais. Ça facilite vraiment les choses. Et du coup ouais, cette habitude, alors je vais remettre le micro d'Aline si ça capte un petit peu mieux. On la joue à tourner manège un petit peu, c'est-à-dire que t'as pas entendu la réponse de Célia et tu peux... Tu peux tenter, Aline, si tu veux, de nous dire de ton point de vue comment marche ce truc à quatre mains, ce travail à quatre mains. Le travail collaboratif, tu veux dire, comment on travaille avec celle-là. Mm-hmm. En fait, c'est vrai, depuis toujours, on se partage énormément de choses. On a travaillé ensemble, en fait, on était à l'école ensemble, donc. Ouais. En fait, souvent, nos boulots passent, comme on a des étapes bien précises, on va voir l'étape du croquis, justement. Alors, des fois, je peux faire un croquis, l'envoyer à Célia, voir comment elle le voit en forme. Je peux faire les formes et puis elle va faire les couleurs. C'est vraiment, en fait, chacune va mettre sa propre vision dans une des étapes, en fait. D'accord. Tout simplement. Ouais, bah, écoute, c'est super. C'est des fichiers qui bougent pas mal. Après, ouais. On peut faire aussi une illustration de A à Z, mais souvent, on échange vachement, en fait. Qu'est-ce que t'en penses, comment tu vois, donc voilà. Quoi. Bah, très bien, tu as extrêmement bien répondu. Je pense que vous matchez, on va ouvrir la porte et vous allez vous rencontrer. c'est tellement super. Ça en fait. Mais je sais que ça va pas parler à tous les gens qui sont nés après les années 80. Je sais pas du tout ce qu'elle a dit. Ouais, elle a dit à peu près la même chose et dans les grandes mesures, c'était à peu près ça. Donc tout va bien. Okay. Tout va bien. Là, on arrive à peu près au terme de cette illustration, donc qui était la première partie. On a vu la deuxième partie, tu mettais de la texture. Je vais proposer à Célia, si elle le veut, qu'on partage son écran. Pour voir un petit peu comment ça se passe chez toi sur Illustrator. Si c'est tu me dis quand tu es au point. Et je suis au point. Tu es au point, formidable. Écran Célia. Et tu es non seulement au point, mais en plus ton écran est à l'antenne. Eh bien, très bien. Alors, du coup, j'avais récupéré le fichier d'Aline juste avant. Mm-hmm. Enfin, juste avant. Oui, c'est vachement bien. Je sais pas si elle parle. Alors, elle est en train de parler, elle est en train de dire qu'elle avait récupéré ton fichier juste avant. Mais vas-y, c'est pas grave, t'inquiète. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, sur Fresco, on peut exporter en PSD. Ouais. Donc, c'est souvent ce qu'on fait. En fait, on exporte en PSD et on fait les derniers ajustements sur Photoshop. En fait, donc par exemple là, elle peut reprendre les couleurs, les retravailler. Elle peut ajouter un petit pattern dans le haut. Donc, c'est vraiment comme ça que ça se passe. En fait, on s'envoie beaucoup les choses. Carrément. Bah écoute, alors donc tu disais, Célia, tu me dis c'est exactement ce que tu vas faire, vas-y. Oui, voilà, je vais rectifier juste peut-être la couleur des cheveux, où j'aurais peut-être un peu plus foncé. Ouais. Donc je vais mettre quelque chose de peut-être un peu plus foncé. Si on allait dire quelque chose comme ça, allez. Mmh. C'est vraiment du détail, mais voilà. C'est un peu le détail qui fait la finalisation de l'illustration, ouais. Quoi qu'il advienne. C'est exactement ça.
Après, pour le reste, j'aime assez. J'aime bien les couleurs aussi. Du coup, je vais rajouter un petit pattern dans le top pour agrémenter un peu l'illustration. D'accord. Écoute, je vais faire une petite forme un peu géométrique. Enfin, géométrique, pas trop non plus. Là, on entend bouger. Donc, je viens là. T'étais plutôt sur. Alors, je suis sur la plume. Ou sur un trackpad. Je suis sur Wacom. Ouais, d'accord. Je suis sur Wacom. Il m'arrive de faire des choses au pad aussi. De moins en moins, mais ouais, je suis quand même sur Wacom avec une très vieille tablette. Hein, j'avoue que c'est celle qu'on avait pendant nos études. Hein. Donc, je ne vais pas dire quelle version c'est. Ouais, c'est incroyable. Donc, je rajoute une couleur. Je passe ensuite en produit pour avoir conservé la texture en fait derrière. Ouais. Je fais un petit masque d'écrétage pour regarder. Par contre, c'est un peu trop foncé à mon goût. Donc, on va éclaircir un peu ça. Ouais, encore un petit peu peut-être. C'est pas mal. Donc je vais faire ce petit motif que je vais ajouter au top. Je commence à la plume, après je rectifie un peu les formes une fois que la forme est finie. Donc là. Je vais la dédoubler, je vais la copier, peut-être pour celle qu'on ne va pas trop voir, typiquement ici. Je vais la copier encore. C'est marrant de voir bosser en live comme ça. D'accord. Alors, pendant ce temps-là, d'ailleurs, j'ai une petite question de Yac qui me dit via le cloud, perso, moi j'ouvre mes fichiers directement de Fresco dans Photoshop, même pas de nécessité d'exporter. Tout à fait, sauf que, bah, comme je le rappelais dans le chat, là on a deux personnes différentes avec deux comptes Creative Cloud différents. Deux comptes Adobe, voilà, exactement. Donc, pour l'instant, il faut encore passer par l'étape du PSD, du transfert de l'une à l'autre. Exactement. Ouais. Exactement. Mais c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps sur la couleur et sur la palette de couleurs, en fait. Donc souvent, c'est un travail qu'on se passe, en fait. Quand moi, je suis pas très satisfaite ou quand elle est pas très satisfaite, on essaye de voir ce que l'autre voit et ça débloque souvent des choses, quoi. C'est vrai, ça permet de reprendre un regard frais sur l'image. Ouais, c'est cool, en fait, de pouvoir rebondir chacune sur une illustration, c'est assez cool. Super. Ouais, je me dis qu'elle était bien foncée, celle-là. Alors, je ne sais pas si vous avez vu pour le public, tout à l'heure, quand tu as changé le mode de fusion vers produit de ton calque, il y a un nouveau petit jouet à l'intérieur de Photoshop qui fait que ça se passe en direct. Alors, les gens qui ont découvert Photoshop l'année dernière ne se rendent pas compte, mais avant, ils ont été obligés de scroller pendant des plombes, de faire scroller, clic, scroller, clic, scroller, clic, pour savoir exactement quel était le bon mode de fusion. Et là, c'est automatique, donc c'est un petit gain de temps. Hop, je trouve un petit trou ici, donc je vais piquer peut-être celui-là plutôt. Et alors tiens, j'y pense, je vais essayer de vous retrouver, il y a un nouveau jouet qui est en train d'arriver du côté Adobe, qui s'appelle Adobe Textile Designer. Toutes les deux, vous ne serez peut-être pas forcément concernés tout de suite, dans le sens où le design de motif, par exemple, il est vraiment secondaire, il fait partie plutôt de l'illustration. Par contre, ça peut être intéressant justement de présenter ça pour des gens qui seraient un petit peu plus justement dans la partie vraiment produit, vraiment textile. Donc c'est un outil qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Je vous remettrai le lien tout à l'heure. Voilà, je vais vous mettre le lien dans le chat. Est-ce que tu sais, dis-moi. J'en profite pour te demander, est-ce que tu sais si Fresco va mettre en place des masques d'écrétage sur l'appli? Tout à fait. Non seulement je sais que Fresco va faire ça, mais en plus je sais que c'est déjà en bêta. Ah. Ouais. La nouvelle. Et que c'est déjà en bêta et ça marche.
Et ça, c'est un petit truc qu'on avait montré dans la session hier avec Moon, qui lui était sur Fresco aussi en découverte. Quand vous êtes sur l'écran d'accueil de Fresco, il y a sur la home, il y a un petit panneau sur le côté sur ce sur quoi ils sont en train de travailler. Et donc, il y a plein de trucs qui arrivent au fur et à mesure. Ah, il y a des trucs qui vont beaucoup, beaucoup plaire aux gens qui font du vecteur. Il y a des trucs qui vont plaire aux gens qui font de l'aquarelle, etc. Alors, tout est développé au fur et à mesure. Ça vient tranquillement. Il faut juste leur laisser le temps de le faire. Ah, c'est top. Ouais. Ok. Ouais. Ben, on a hâte de découvrir ça. Carrément. Et donc, ouais, merci Alex pour le lien. Je vais aussi vous passer donc le lien du blog Textile. Hop. Je sais pas si je... Ouais, non, en fait, finalement... Dis-moi, qu'est-ce que tu dis, Célia ? Non, j'étais en train de changer une... Bon, là, c'est mes moments créatifs où je parle seule. Désolée, j'oublie presque que je suis en live. Je me demandais si j'allais changer la couleur de son visage ou pas, mais en fait, elle me convient. Du coup, tu vois, là, pour moi, Aline a fait une bonne partie du travail aussi, mais j'ai juste modifié ce qui a mon goût... Enfin, méritait d'être modifié, donc la couleur des cheveux. D'accord. Et j'ai rajouté un petit pattern dans le haut. Un peu ton sur ton. Voilà, donc j'avoue que ça me plaît comme ça. Ah, c'est cool. Là, c'est comme ça. Très bien. Et du coup, dans ces cas-là, quand tu es à cette étape-là, je suppose, vu que c'est une illustration qu'Aline avait démarrée, tu lui retournes quand même. Elle a un droit de regard sur la suite. Ah oui, bien sûr. Je pense que chacune, toutes les deux, on a un doigt de regard sur tout ce qui sort. Donc, ils font un tampon final OK des deux. Une fois que c'est bon, que ça, c'est bon. Voilà. On est prêtes à partager du. Ouais, non, ce qui est... Des fois, c'est bête, mais par exemple, on fait souvent ça, c'est qu'on a une illustration, on va par exemple hésiter entre la couleur du haut. Typiquement, là, son haut est vert, il aurait très bien pu être bleu, ou autre d'ailleurs. Et on fait l'essai dans les deux colos différents et on demande à l'autre, bah, tu préfères quelle couleur ? Bah, attends, moi je suis plutôt team bleu, donc on parle là-dessus. Enfin voilà. Ouais, bien sûr. C'est un peu la double confirmation et nous, ça nous permet de, quand on a un petit doute sur un choix de couleur ou autre, d'avoir l'approbation de l'autre. Ils sont exceptionnels, les oiseaux derrière. C'est clair, c'est un oiseau, ça. C'est un oiseau. C'est un gecko, on m'a dit. Ah, c'est un gecko. Je crois que c'est un gecko, ouais. Ouais, je crois qu'il y a Ouais. On avait posé la question et c'est des geckos, ouais. Là, c'est un oiseau, je crois. Ouais, excellent. Elle est très bien, cette session. On est très loin, c'est cool. On voyage en même temps. On voyage à fond. Donc c'est le moment où vous faites un aller-retour encore l'une l'autre sur ce contenu-là. Est-ce que du coup, donc par rapport à ça, il y a un moment où vous dites, bah voilà, là c'est bon, on publie. Est-ce qu'il y a un temps d'attente, genre bah, on se laisse un peu le temps de réflexion sur l'illus, sur la construction, etc. Comment ça marche en termes, je dirais, éditorial ? Non. Oh, excuse-moi. Non, c'est vrai qu'on essaie de publier très souvent, donc ça va souvent assez vite en fait. Dès qu'on est satisfaite instinctivement un peu du résultat, hop, on publie, on laisse pas le temps de reposer pour voir si on aimera bien dans 3-4 jours. Souvent, on finit l'illustration, on se dit ok, ça nous plaît, hop, on publie. C'est un peu comme ça se passe. Non, ça, c'est cool. On essaye même souvent d'en avoir beaucoup d'avance pour les jours où on a moins le temps de créer ou les semaines où on a moins le temps de, parce qu'on est plus dans le dur et qu'on a plus des projets à rendre pro ou autre, on en a pas mal sous la main d'avance pour nous permettre d'avoir un temps sans avoir le temps de créer, mais bon, tout en continuant de poster. Ouais, parce que je pense qu'il y a aussi forcément une problématique de série dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Tout à fait. Continuité sur le design, continuité sur les rendus, etc. Effectivement, dans les illustrateurs que j'avais reçus, on avait eu aussi cette question-là, genre bah tiens ouais, qu'est-ce qui se passe quand tu ne publies rien, ou qu'est-ce qui se passe quand tu démarres une série. Et on avait des gens qui étaient sur une activité à la fois, et d'autres qui étaient sur 2, 3, 4 illus en permanence, mais qui revenaient un peu comme des... Tu parlais tout au début de la session de peinture à l'huile ou autre. Comme un artiste à l'huile qui peut laisser sa toile reposer pendant quelques semaines, y revenir plus tard.
C'est ça qui est bien aussi d'être à deux, en fait, c'est que, par exemple, quand une de nous deux s'occupe des commandes clients, l'autre peut faire des illustrations pour créer du contenu, etc. Donc, on se partage un peu les tâches comme ça. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on est sur plusieurs projets en même temps, en fait. Après, ouais. C'est pas des projets qui prennent énormément de temps sur des semaines entières. Donc, ouais. donc, ça permet de publier assez régulièrement. D'accord. Ok, alors j'ai une petite question plutôt technique de Louise qui nous dit, mais du coup, cette application Fresco, est-ce qu'elle travaille en pixel ou en vectoriel? Et je lui ai répondu, hein, je lui ai dit directement, c'est les deux. Comme ouais. on l'a vu en plus hein, dans ton workflow, c'est-à-dire que tu démarres avec une esquisse sur des pinceaux au pixel, tu exactement. Enchaînes, on va remettre d'ailleurs ce truc d'esquisse, on va remettre celle-ci, hop, en arrière-plan. Donc ouais, tu démarres toi sur une esquisse avec les pinceaux pixels. Vous pourrez le voir, vous, si vous regardez tout en haut de l'application Fresco sous le menu Home. C'est des pinceaux qui sont dédiés à ça. Et puis, quand tu avances, je vais reprendre la partie ligne. Hop, je vous envoie. On avance sur... Il y a aussi des... Vas-y. Les brushes... qui sont vraiment bons aussi parce qu'on peut mélanger vraiment les textures. Alors c'est pas vraiment quelque chose qu'on utilise nous parce mm-hmm. qu'on est beaucoup en aplat de couleurs unies ouais. en fait c'est très monochrome mais pour les avoir essayé c'est vraiment top. Donc ça dépend des styles illustratifs de chacun mais c'est assez bon quoi. Ouais, ouais carrément. Du coup, oui, entre-temps, donc, je vous ai passé les liens de Textile Designer. J'essaierai de vous les remettre dans la description pour les gens qui arrivent plus tard. Comment voyez-vous l'évolution de vos créations? Est-ce que vous pensez toujours continuer comme ça sur des visages ou comment sans cesse expérimenter? Qui se colle à la réponse? Aline ou Célia? Est-ce qu'elle parle? Je sais pas. Pour l'instant, elle parle pas encore. Célia, tu dis rien, Célia? Si? Je t'entends plus. Si? Alors, attendez, j'ai perdu le son de Célia, je ne sais pas pourquoi. Je vais répondre du coup. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur des portraits. Après, c'est vrai que ça évolue pas mal. Enfin, quand je regarde même le début, on était très, très minimaliste, très composition. Là, on tend un peu plus vers le figuratif. On fait plus de dessins en ligne. Donc, je pense que pour les inspirations, pardon, ça, c'est un peu pareil. Par exemple, les voyages, je reviens sur Marseille, c'était une bonne idée parce que là, par exemple, je sais que j'ai pas mal de croquis sur Bali, par exemple. Mm-hmm. Donc, je pense que ça dépend un peu du moment. Après, c'est vrai qu'on se projette pas énormément. On est un peu sur l'instant et sur le côté un peu instinctif, ce qu'on a envie de dire sur le moment. Et voilà, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne pour le moment. Après, c'est vrai qu'on aimerait, nous, développer plus de projets collaboratifs, mais plutôt avec des artisans, pour le coup. C'est un projet qu'on a, on s'en parle énormément, parce qu'on fait pas mal de... On fait quelques collabs avec des marques, et en fait, on aimerait bien, nous... aller démarcher en fait des artisans pour faire je sais pas de la céramique faire je sais pas des tissus des choses comme ça et donc ça nous amènera forcément vers d'autres domaines et peut-être vers d'autres styles peut-être du pattern des choses comme ça donc je pense que on va un peu voir comment ça évolue quoi. D'accord. Ouais, c'est super. Super, très bonne question. Enfin, très très bonne réponse, merci. Il faut aussi remercier pour les questions quand elles sont bien. Oui. Alexandre nous a mis un lien sur les pinceaux dynamiques à l'intérieur de Fresco, donc ça c'est cool. Ah, super. Et Daniel nous propose de faire comme dans la classe, on lève la main quand on parle. On va faire le bâton de la parole, tu sais qu'on va se passer de caméra en caméra. Mais par contre, on a toujours pas Célia. Célia, tu as disparu de la circulation et je sais pas pourquoi. Ça, c'est dommage parce que j'aimais bien t'entendre aussi, mais voilà. Je vais nous remettre en grand et puis on va se dire au revoir comme ça les trois. Check. Ouais. Voilà. Ah bah oui, c'est déjà l'heure.
T'inquiète, l'heure a passé très vite entre ça, la résolution de qui est où, les cris des oiseaux. J'ai quelques petits soucis techniques. Ouais, mais je pense qu'on en est tous à peu près là sur la gestion du technique. Du coup, j'ai eu la question d'ailleurs sur Twitter de savoir si nos masterclass étaient sous-titrés. Elles le sont via YouTube uniquement, enfin via les outils automatisés, et plus une transcription automatique, donc ça fait deux transcriptions en parallèle. Je vous avoue que c'est pas simple, que du coup vous allez avoir du mal à lire sur les lèvres de chacun, parce qu'on est parfois en très très petit, et que comme il y a des sautes de son, je sais pas si ça passe très bien pour tout le monde. Donc merci à toutes les deux, merci d'avoir partagé cette expérience. Merci. C'était cool. C'était évidemment pas forcément simple. Célia, t'as le droit de parler plus qu'avec les mains maintenant. Faut que t'apprennes à... Ouais, on t'entend plus. C'était un moment que j'entendais plus, mais... Ouais, mais non, voilà. Là, on n'a plus Célia, on n'a plus qu'Aline. Là, j'avance. Voilà. Ok, bon, bah merci en tout cas pour l'invitation. C'était cool, mais c'était c'est d'ailleurs notre premier exercice comme ça. C'est la première fois que vous vous présentez. On parle en live, donc ouais. Donc c'était sympa. Merci. Bon, bah c'est parfait. Merci à toutes les deux. Je vais reprendre l'écran tout seul comme un grand. Je vais recouper les petites caméras en plus. Au revoir les filles. Check, on fait comme ça. Voilà. Moi, je reste encore quelques instants avec notre audience. Check. Ok. Donc, merci. Merci à tous. Merci au public qui est resté avec nous, qui a échangé et qui a pu découvrir le travail de Célia et Aline. Vous avez tous compris. Je vais vous en remettre une partie dessus parce que ça me semble important qu'on était en live tous les jours à 14h en direct du canapé. Je vous partage 2 secondes l'écran, mais promis, c'est que 2 secondes. Check. Donc on est tous les jours en live en direct du canapé où on peut où vous pourrez redécouvrir différents artistes. Il y en a encore beaucoup à venir cette semaine, donc demain on va avoir Nicolas Henry qui est photographe. La semaine prochaine je recevrai Vivien Bertin, je recevrai Grégory Villien, on va parler de character design, on va parler de perspective mapping, comme on appelle ça, c'est-à-dire vous savez de projection mapping, pardon, projection architecturale comme on voit par exemple dans les nuits de Fourvière, dont j'ai plus le nom, sur l'éclairage de bâtiment réalisé à partir d'After Effects. On va parler de photographie vendredi prochain, je vous en dirai un petit peu plus quand ce sera en place. Donc si vous débarquez seulement maintenant et que vous n'étiez pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Si vous y étiez déjà abonné et que vous avez une session qui vous intéresse plus, dans le courant de la pause, j'essaierai de vous mettre toute la suite des sessions qui débarquent. On va avoir aussi des sessions illustration à fond la semaine prochaine, donc on se reparle de tout ça. En tout cas, merci de nous suivre, et si vous avez envie de voir le replay ou le replay des précédentes sessions, donc il y a les liens dans le chat, et il y a eu les liens qui ont été postés au fur et à mesure de nos sessions. Voilà pour tout ça. Merci à tous. On se retrouve donc à 14h en direct du canapé sur une petite session, je pense. On va parler de capture parce que ça fait longtemps que j'ai envie de vous en parler. Sous sa forme tablette et iPad, mais aussi sous sa forme Photoshop. Parce que capture existe maintenant directement dans vos bibliothèques Creative Cloud. Ce qui est une bonne occasion de tester des trucs. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.